je suis parisien, je suis né à Paris, mais j'ai habité 17 ans à Montréal. Et c'est seulement à Montréal que j'ai commencé à faire un film qui s'appelle Tout est parfait d'Yves Christian Fournier. Ensuite, j'ai rencontré Xavier Dolan. Et puis, j'ai fait deux films avec Xavier. Et après ça, j'ai fait pas mal de télé aussi à Montréal. Et je suis arrivé à Paris il y a 4 mois, en fait. En ce moment, je tourne la série Clash. Et puis, après, voilà, je fais le film d'Étienne Faure, Désordre. Et puis ensuite, je tourne une série pour Arte qui s'appelle L'Odyssée. Je joue le rôle de Télémaque, le fils d'Ulysse. C'est un thriller et qui nous emmène vers plein de fausses pistes. On se laisse manipuler par le réalisateur, mais on est complètement aspiré là-dedans, en fait. On sent pas du tout les ficelles du scénario. Le mec est un prof d'histoire géo. La femme est pianiste, mais elle a arrêté le piano. Elle joue plus. Et ils emménagent en province, dans une maison assez improbable. Et moi, je joue un des jeunes qui vit dans ce village-là. Et c'est donc ce couple devient la cible un peu de ce personnage qui va s'infiltrer dans leur vie, dans leur couple, dans un but bien précis et pour une raison qu'on ne connaît pas. Il va peu à peu détruire leur vie, mais de manière d'une violence et d'un machiavélisme. C'est vraiment un film très violent, mais psychologiquement. Moi, c'est ce qui m'intéresse du film et c'est ce que j'aime dans un film. Par exemple, dans Harry, cet ami qui vous veut du bien, ou dans Funny Games d'Haneke, c'est que c'est un film très, très, très violent, mais t'as pas beaucoup de sang finalement. C'est psychologiquement. C'est un film sur la manipulation, sur les faux-semblants, sur vraiment des relations très complexes entre les personnages. Il y a quelque chose de fascinant là. Là-dedans, je trouve, à jouer comme acteur et en tant que spectateur à regarder. Alors, mes partenaires, c'est Isaac de Bancolet, que j'aime beaucoup et je suis très, très, très heureux que Étienne le ramène en France. On ne l'a pas vu beaucoup en France dernièrement, et puis c'est un super acteur. Il a tourné avec des idoles comme Jarmusch. Donc j'ai très, très, très hâte de jouer avec lui. Il a une présence incroyable, il a un physique. C'est un vrai duel, un vrai, vrai duel. Des vraies confrontations qu'on aura, je crois. J'ai très, 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 très hâte de jouer avec lui. Et puis Sonia Roland, aussi, que je connais moins comme comédienne. Mais qui est très charmante et qui est bourrée de talent. J'ai fait les essais avec elle. Elle est vraiment surprenante et elle est très, très, très touchante.